Qu'est-ce qui retient tes sœurs? Elles arrivent, je crois qu'elles seront là bientôt. Alors commençons la célébration. Comme ça, elles vont venir nous rejoindre. Oui, maman. Maman ni maman. Oui, c'est vraiment maman ça. Maman la plus fraîche. Madame la Chine. Madame la Chine internationale. Ouais, c'est ça, ma fille. Madame la Chine internationale. Je ferai de vous toutes heureuses. Je le sais. Aide-moi, si tu peux, avec les ongles. D'accord, donne-moi. Okay. Madame la Chine. Je peux te servir? Merci, maman. Je suis là aujourd'hui pour te servir. Merci, maman. Madame la Chinoise! Madame la Chine! Maman de maman! Oh! Madame la Chine! On dépose comme on veut, il y a de la bonne musique en plus.
plus, il y a de la bonne musique. On adore ça. Madame China, tu es la meilleure. Tu es la meilleure. Mama, mama du mama. On est là, on est là. Aïe. Mon fils est de retour, mon fils. Maman? Hey, Ifi, mon bébé. Mon frère, Ifi. Bienvenue. Mon bébé Ifi. Mon frère. Comment vas-tu? Oui, ça va. Tu es vraiment en forme. Regarde-moi. Hey, tu as moins de mine que moi. Pareil pour toi. Je vais bien. Mon fils, tu as acheté une voiture. Maman, tu vois cette caisse? Tu vois cette caisse? Ce n'est pas la mienne. Eh oh. Ce n'est pas ma voiture. C'est la voiture d'un de mes clients. Mmh. Je suis en train de la réparer et vu qu'il n'était pas là, je me suis dit de venir au village avec. Pour éviter certains trucs aussi. Hey, ma famille, ma famille. Hein? Hey, hey. Ifi, Ifi. Mon frère. Regarde-toi. Regarde-toi. Hein? Hey. Je suis de retour. Oh, je suis là, je suis là, je suis là. Je remplace. Ça va, maman? Ifi, Ifi. Grand frère. Viens, 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 viens là, viens, viens, viens. Hey, regarde-toi. Regarde-toi. Maman, qu'est-ce que tu donnes à cette fille? La même chose qu'elle mange tous les jours. Les foufous et les ofo au bout de nos mots. Hein? Hey, maman, y a-t-il un garçon qui est venu ici se proposer à elle? Quoi? Je n'ai même pas encore vu un haut jusque-là. Pose-lui la question. Personne n'est encore venu te voir. Grand frère, hey, bientôt ils vont venir. Ils viendront bientôt. Mais tu as encore envie? Vraiment? Hein? Personne, donc tous ces garçons qui liaient un peu partout. Comme je l'ai même pas dans mon rêve. Aucun d'eux n'est venu te voir. Et tu as encore envie? C'est ça même la question que je me pose. Je dirais que ça ne va pas avec cette fille. Tu ne sais pas que ton âge avance. Maman, s'il te plaît. T'en fais pas. Une fois qu'ils seront prêts à amener même le kai-kai, appelle-moi. Est-ce que tu comprends ça? Ok. Appelle-moi et je viendrai. Je reviendrai ici. C'est et ça je même. Vais te renvoyer. C'est ça. Et aller enfin chez quelqu'un. D'accord. Maman des mamans. Maman. Hey, vous avez vraiment bonne mine. Tellement magnifique. Hein? Comment est-ce que vous faites ça? Je suis très contente de te voir. Maman, c'est pourquoi je n'ai pas pu épargner de l'argent. Hein? Oui, parce que toutes les deux, vous êtes la raison pour laquelle je n'arrive pas à épargner. On se débrouille, mon fils. Ah, on se débrouille. Ah, surtout Ifi. Hey, tous les jours, grand-père, envoie-moi des habits. Ces jours sont devenus tous les jours. Grand-père, envoie-moi des belles chaussures. Elle commence à manger déjà à partir de la casserole. Grand-père, envoie-moi des belles chaussures. Arrête avec ça. Je suis très heureuse. Je peux très bien voir la joie et le succès sur vos visages. Annabelle, maman, Madame la Chine. Alors dis-moi, comment ça évolue chez toi? Maman, maman, vous êtes la bombe. Maman, vous êtes simplement la meilleure. Mais s'il vous plaît, regardez-moi très bien. Maman, regardez-moi très bien. Oui, ma fille. Regarde encore très bien. Balancez votre regard. Prenez très bien votre temps. Je suis Annabelle, la classique. Tout ce que vous voyez sur moi est original. Maman, vous êtes la meilleure et vous méritez le respect. Je vous dis le respect, maman. Je vous aime fortement, maman. Je vous passe, madame, la Chine internationale. Maintenant, Naki. Maman des mamans, le sang qui nourrit les enfants. Maman, avant toi, c'est toi. Après toi, c'est toujours toi. Maman, tu vaux plus que tout. Tu peux encore le dire. Maman, respect. Alors, pas toi, as-tu à dire? Écoute, tu es la numéro un. Maman, ce que tu réalises, personne d'autre ne saura les faire. Tu es la grande forêt, la Mazone. C'est ça même. Coup de chapeau, maman. Maman, toutes les instructions que tu nous as données marchent parfaitement. Ça, c'est maman internationale. Maman, ton pouvoir est étonné. Ton pouvoir est très étonnant. Maman, moi, t'abandonner, on est venu au moins dans le même placenta. Là où tu mouriras, je mourrai aussi. Là où on t'enterrera, on m'enterrera aussi juste à côté de toi. Maman, t'es géniale. Merci. Maman, mes salutations. Il n'y a pas deux comme toi.
Je suis la Mama Chine internationale. Je te l'ai dit. La Mama Chine internationale. Alors, Patro, qui est cette fille avec toi? Oh, Oluchi. Maman, elle, c'est mon amie Oluchi. Ok. Elle traverse des moments très, très, très difficiles. Alors, je m'étais décidée de venir avec elle chez toi, maman. S'il te plaît, tu dois changer sa vie. Maman, je veux que tu la transformes. Oluchi, elle, c'est notre Madame China. La maman qui a la sauce, la maman qui a le piment, la maman qui a le lait. Maman, laisse tomber, tu as tout. Elle, c'est Madame China. Hmm? Bonsoir, madame. Bonsoir. T'es la bienvenue. Nous allons continuer la fête avec toi. Hey, maman. Laisse-moi aller voir Mary. Hmm? Et pourquoi tu viens à peine arriver, tu t'es même pas reposé, tu veux déjà aller voir cette fille? Ta soeur t'apporte déjà à manger, pourquoi tu ne manges pas avant d'aller d'abord voir cette fille? Maman, je mangerai quand je vais revenir. Je mangerai quand je vais revenir. Hein? Quand je vais revenir, je mangerai. La nourriture est déjà cuite et ta soeur est en train de te la porter. Maman, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Laisse-moi aller maintenant. Hein? Laisse-moi aller la voir. Quand je reviendrai, je vais manger. Pas besoin de te presser puisque la nourriture est déjà là. Hein? Mange! La nourriture peut attendre, elle ne fuira pas. Laissez-moi aller voir Mary et je viendrai manger. Manger et aller voir Mary, c'est la même chose, non? Ta nourriture est prête, mange avant de partir. Mary d'abord, est-ce que la nourriture est en train de fuir? Manger avant d'aller voir Mary. Aller voir Mary, puis revenir manger. Les deux sont la même chose? Je reviens, je vous prie. S'il te plaît, viens m'ouvrir le portail. Ok, bien. Et Bouka, ça fait un bon bout de temps que tu n'as pas mangé la nourriture de ta mère. Oh. Je ne sais pas pourquoi tu dois aller voir Mary. Maman, je reviens tout de suite. Qu'est-ce que tu connais à propos d'elle? Madame China, tu ne me fais plus confiance? Dis-moi, qu'est-ce que tu connais sur ta soi-disant amie? Ok, c'est bon. Oluchi est ma véritable vraie amie. Maman, nous venons de très loin. Nous avons étudié dans la même école et on a grandi ensemble. Je connais éventuellement tout la concernant. Ce que je vous demande, maman, est que vous puissiez la montrer le chemin. Je t'en prie, maman, tout ce que tu as fait pour nous, fais ça aussi pour elle. D'ailleurs, c'est une orpheline, voilà pourquoi je suis venue avec elle ici. Je vais l'aider parce que tu crois en elle. Maman! Maman, tu es géniale. Je te salue, coup de chapeau. Maman de maman. Maman, tu es la meilleure. Maman qui a la sauce pimentée. Mais tu seras responsable de tout. À 100%. Maman, c'est une bonne personne. Attends, tu ne vas pas douter d'elle. C'est une bonne fille. Tu me connais, maman. Tu sais que je n'aime pas de bêtises. Fais-la entrer. La maman au grand cœur. Maman, telle que tu es là, personne ne peut t'égaler. Tu es la meilleure. Aïe! Malais! Attends que je la fasse venir. Merci, maman. Tu es venu. Hey, mon petit rayon de soleil. Je t'ai dit à maintes reprises de ne pas m'appeler comme ça. Oh non, mais c'est bon, n'ajoute pas au ciseau. Quand tu ajoutes au ciseau, tu veux que je meure. Tu ne vas pas mourir, ma chère, t'en fais pas. Bon, d'accord, j'arrête, je ne vais plus dire ça. Hein? Je vais juste t'appeler Ngoma. Ngoma, mon rayon de soleil. Ngoma, mon clair de lune. Ngoma, ma planète Terre. Hey! Allez, vas-y, dis-moi, est-ce ta voiture? Ai-je troublé tes pensées? Ai-je troublé tes pensées? Ai-je troublé tes pensées? Attends, ai-je troublé tes pensées? Oui. Ai-je troublé tes pensées?
Je sais que c'est à toi. Si tu veux que je trouble tes pensées, je le ferai sans problème. Dis-moi que tu l'as acheté. Bien, laisse-moi troubler tes pensées. Tu vois cette caisse? Tu vois cette caisse? Oui. Elle n'est pas la mienne. Désolé de te décevoir. C'est la voiture de l'un de mes clients. La voiture appartient à l'un de mes clients. Tu sais que je suis mécanicien. Après l'avoir réparée, il devait venir la tester. Je lui ai dit, laisse-moi aller avec au village afin que toi et moi puissions staffer avec. Il a accepté? Allez, alors rejoins dans les riches afin de savourer ce qu'ils font. Viens, je vais t'amener à les staffer dans tout le village. Mon bébé. Tu ne m'avais pas dit que tu viendrais. Je ne m'attendais pas à te voir. Écoute, hein. Je viens avec mes amis dans des surprises. Écoute, il y a un truc qu'on appelle « Je t'ai eu ». Je veux juste voir si je peux t'avoir. Ah, sans que ces petits du village-là, surtout les petits là au Botuku. Ce Tchoukou, je veux les surprendre avec ce que j'ai. Mais tu sais bien que je ne suis pas une mauvaise fille. Je sais, t'en fais pas. Je ne faisais que me moquer un peu de toi. Hein? Je sais que tu es fidèle, non? Hein? N'es-tu pas avec moi, là? Mon bébé, oui. Mon bébé. Oh. Allez, viens voir papa. Viens voir papa. Viens. Hey. Allez, allons à l'intérieur. Hey, mon bébé. Hey, personne ne me fera quoi que ce soit. Il n'y a personne qui m'entend. Je n'ai fait que parler. Satan ne vient même pas ici. J'ai beaucoup souffert. Particulièrement dans le main des hommes. Personne ne m'apprécie. Le seul homme qui s'approche de moi, c'est juste pour avoir le sexe. S'il vous plaît. Je vous prie, pardon, aidez-moi. Je n'ai pas une autre personne chez qui aller demander de l'aide, madame. S'il vous plaît, aidez-moi. Madame China. Oh, désolée. Madame la Chine, je vous en prie. Je vous promets que vous n'en regretterez jamais. S'il vous plaît, vous êtes le seul espoir qui me reste, s'il vous plaît. Ça suffit. Onuchi, je vais t'aider. Ton histoire est très, très triste. Je vais t'aider à cause de... Patra. Elle est l'une de ma fille chérie. Une de mes meilleures filles. Je ne lui refuse jamais quelque chose. Si je lui refuse quelque chose, ça veut dire que la chose n'existe pas. Alors je veux t'aider. Maman. Rappelle-toi. Merci, madame. Merci. Merci beaucoup. Je vous serai reconnaissante. Merci, maman. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci. Merci. Pas toi, maman. C'est toi qui vas l'aider. Apprends-lui de petites choses. Oui. Apprends-lui tout ce que tu connais. Après ça, je vais continuer moi-même. Ok. Maman des mamans. L'unique Madame China. C'est bon, ça suffit, lève-toi. Ça suffit, tiens-toi, dis-moi. Lève-toi. Allez. Merci, c'est merci. Bon, lève-toi. Ok. Non, merci, Onuchi, madame, merci, ça suffit. Merci beaucoup. Maîtrise-toi. C'est quoi ça? Ok? Maman, bye, on s'en va. Merci. Que Dieu vous bénisse, madame. Elle a entendu. On y va? Merci. Partons. Maman, t'es la meilleure. Merci. Mon bébé. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. J'ai vraiment apprécié la balade. Hein, laisse-moi te dire, le genre de téléphone que tu vas avoir, le temps pour moi d'avoir tout cet argent. Tu vois à l'intérieur de moi, il y a tellement d'argent que je suis en train de garder. Je suis très riche, tel que tu me vois. Je suis très riche comme tu me vois. Donc, le temps que la richesse se manifeste, viens et tu verras l'argent. Viens et tu verras comment je vais te traiter. Tu vois tes pieds? Ils ne touchent plus le sol. Oh. Tu prendras un hélicoptère rien que pour aller puiser de l'eau. Merci beaucoup. Tu ne me connais pas, oh?
Je t'aime à la folie. Je t'aime. T'inquiète pas. Dieu va réaliser tout le désir de ton cœur. Amen. Je vais continuer à prier pour toi. Amen. Écoute, augmente le volume de ta prière. Quand tu pries là, crie. Crie-le. Crie. Afin que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, ainsi que tous ceux-là qui sont là au-dessus, dans les cieux, puissent bien t'écouter afin que la prière que tu fais puisse se manifester facilement. Toi, fais-le, ils t'écouteront. Fais-le, ils vont t'écouter. Afin que quand tu cries, Dieu, aide mon gars, oh, Dieu, aide mon gars, oh, Dieu, aide mon gars. Hey. Allez, toi aussi. Hey. Hein. Merci beaucoup. Il n'y a pas de toi, bébé. Laisse-moi aller voir ma mère. Je suis sûr qu'elle s'inquiète. Ok. Ma mère et ma sœur, je ne sais pas ce que je leur ai fait. Et à chaque fois que je veux sortir, viens manger, elles ne me permettent jamais. Hein? Je sais même qu'actuellement, ils sont en train de me chercher. Où est Bukao? Hein? Ce n'est pas ça. Tu dois rentrer à la maison et aller t'y reposer. Tu sais qu'on se verra demain, alors tu dois récupérer la force. Chey. Bon, d'accord, je vais faire ça. Ok. Bye bye. Ah. Juste comme ça, Madame Abusika. Ah, comment peux-tu juste me dire un simple bye-bye, hein? Hein? Tu veux que je fasse une crise? Donc tu veux vraiment me laisser partir sans même avoir un de ta part? Ebuka, je t'ai dit que pour l'instant, c'est tout ce que tu auras parce qu'on n'est pas encore mariés. Tu le dis en étant sérieuse? Je suis venu en voiture, oh. Ah, ne me fais pas ça, je t'en prie. Je suis ici pour toi, non? Hein? J'ai fait tout ça pour toi. Ne me fais pas ça, oh. Hein? Comment tu peux me faire ça vraiment? Je ne sais pas, oh, hein? Je dois vraiment partir tel que j'étais venu. Non, ce n'est pas vrai. Ebuka, je m'en vais à l'intérieur. Merci beaucoup pour ce que tu as fait aujourd'hui. Tout ce que je te demande, c'est un million de naira. Donc, arrête de faire comme si... Babes! Oh. Comment tu me trouves? Bye, chérie. Je t'appellerai plus tard. Tu es étonnée, n'est-ce pas? Je t'avais prévenu que je mettrais la collection la plus classe. Babes, méfie-toi de toutes ces jeunes filles qui brillent dans la rue avec ces soi-disant designers. Babes, je t'avais rassuré que la sélection... En tout cas, c'est confirmé, tu es une folle. Qu'est-ce que tu racontes? Moi? Patra, celle qui joue avec les billets de banque. Maître de la camelote? Non, dis-moi que tu es en train de plaisanter. Ma chère, je t'en prie, rentre dans ta chambre. Enlève cette robe et mets quelque chose de sexy. Tu vas suivre qui habillé comme ça, moi? Mais qu'est-ce qu'il me va faire? Va dans ta chambre et mets quelque chose d'autre. Mais qu'est-ce qui est de mauvais dans cette robe? Prends ton temps, regarde-moi bien. Allez, s'il te plaît, tu n'as pas besoin de tourner, arrête. C'est une perte de temps. T'as pas besoin de ça. Juste va dans la chambre et mets quelque chose d'autre. S'il te plaît. Babes. Tu ne peux pas venir avec moi habillée comme ça. Mais regarde-toi un peu. Que ça me va. Hein, les couleurs, c'est fleuri, ça va. Je vis que c'était fleuri, mais va t'échanger. Ok? Va t'échanger. Voyez-moi ce qu'elle a porté et elle dit que c'est bien. C'est quoi ce genre de tenue? Pourquoi tu ne pars pas demander les gants à l'église comme ça tu vas danser comme une majorette? Tu veux sortir avec qui habillée comme ça? Hé, cette fille va me tuer vraiment. Je n'ai pas besoin de parler pendant un long moment. C'est 500 000 naira ou rien. Est-ce que c'est entendu? Bien. Envoie-moi les codes dans les mails. Annabelle, tu es sublime. Ah, tu es tellement sexy, j'ai envie. D'accord, je reviens. Ok. Ah. Franchement, c'est fait respire. 500 000 naira, 1 million naira. Elle ne parle qu'argent, billets de banque, fric, chicon. Hein? Oh non, elle vit vraiment bien. J'aurais souhaité les connaître depuis. Ma vie serait déjà transformée. Pas de problème. Quand je serai prête,
Je vais prendre des ailes moi aussi. Je suis déjà prête, dans tous les cas. Je suis prête. Allô? Oui, non? Il s'est fait déjà tard, bien sûr. Comment je peux dormir sans pour autant écouter la voix de mon fils? Je vais bien. D'accord. C'est bien. Mon fils, bonne nuit, oh? Ah, tu es toujours comme un bébé. Non, je ne suis plus heureux, oh. Hein? Je ne suis plus heureux. Tel que tu me vois là, frère, je ne suis pas ici en tout cas. Je suis ici maintenant, hein? Mais mon esprit se trouve au village. Hein? Ma copine me manque. Je ne peux attendre pour aller au village et la ramener ici en ville. L'épouser, afin que je la voie chaque jour. Et mon amour me manque. Et Buka Ozo. Ozo qui quitte le femme, Ebuka. Regarde-toi maintenant. Tu planifies ton avenir avec cette fille. Tu planifies comment tu vas l'épouser pour l'emmener ici en ville. Écoute, mec, sais-tu que la fille pour laquelle tu fais ces plans, hein? Sais-tu qu'elle pourrait être au village entre les mains d'un autre gars? Hey, hey, hey. Peut-être qu'elle est aussi en train de faire... Allez, allez, arrête de dire n'importe quoi. Écoute, laisse-moi te dire. Ma copine à moi est une très bonne fille. Non, mais tu te rends compte de ce que tu me racontes là, hein, vieux? Elle est tout le temps avec le prêtre. Hein? Toujours présente à des veillées de prière, faisant beaucoup de choses. Elle va trop à l'église. Et d'ailleurs, elle est trop religieuse pour que tu penses c'est n'importe quoi d'elle. Elle n'est pas comme ça. Vous êtes encore là? Mon cher, écoute-moi. Si tu veux vivre, hein, si tu veux avoir une longue vie, oublie les femmes. Mon cher, je te dis, Ozo, ne meurs pas à cause d'une femme, oh. Ou il serait mieux de ne pas t'inquiéter d'une femme dont tu ne maîtrises pas sa vie quotidienne. Mon cher, écoute-moi. Elle ne peut qu'être à toi quand tu es avec elle. Aussitôt que vous vous séparez, elle n'est plus à toi. Garde ça dans ta cervelle. Et laisse-moi encore te dire une chose. N'ose jamais de toute ta vie jurer pour une femme. Tu vois tout ce que tu racontes là. Hey, c'est une bonne femme. Elle prie et ça et là. Elle vit avec Okochukwu, son frère. Mon cher, te dérange pas. Si tu oses, tu mourras. Dis pas non, que non, je non, t'avais non. pas prévenu, oh. Non, non, ne dis pas n'importe quoi sur ma copine. Tu m'écoutes? Ne dis pas n'importe quoi sur ma copine. Tu penses que ma copine est comme ces filles de la ville qui font n'importe quoi? Elle est vraiment décente. Elle n'est pas comme ça. Alors respecte-la. Sinon, j'aurai des problèmes avec toi. Es-tu malade ou quoi? Ne t'avais-je pas montré tout ça? Qu'est-ce qui te prend? Donc, tout ce que je t'ai montré, tu n'as rien maîtrisé? Tu ne les vois que du bon côté. Elle est décente. Tu vois toutes ces filles que tu penses qu'elles sont décentes. C'est généralement elles qui font de bêtises, hein, partout dans ce ville. Et parfois elles risquent de commettre de bêtises sous ton nez. Tu n'en sauras arrête, rien. Arrête ton délire. Idiot que tu es. T'es normal. T'es vraiment fou. Ne m'insulte pas parce que je te donne des conseils. Va te faire voir, espèce d'idiot. Ne m'insulte pas. T'es normal toi, hein? Ok. Tu veux te battre? Tu veux te battre? Hein? Attends, tu vas voir. Ebuka! Tu veux te battre? Mais qu'est-ce que vous prenez? Attends, je vais te montrer comment on fait. Arrêtez, les gars. Laisse-moi. Écoutez. Les gars, arrêtez. Laisse. Écoutez. Arrêtez, s'il vous plaît. Ebuka! Arrêtez!
Ligati. Merci Marie, comment vas-tu? C'est vrai ça? Merci énormément. Je suis très contente. Voilà les clés, madame. Merci énormément. Je vous en prie. Que Dieu te bénisse. Je vous en prie. Ce sont les choses que je t'ai apportées. Oh mon Dieu. Tout ça. Tout ça pour moi? Oui. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Que tu récoltes les fruits de ton dur labeur. Que tout le bienfait que tu fais pour les autres, que Dieu te le remette au centuple. Merci beaucoup, madame China. D'accord, Marie. Ça suffit avec cette phrase. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'accord. Ok, je m'en vais. D'accord, madame. Je te verrai après. D'accord. Prends bien soin de toi. Contemple tes cadeaux. Je vous en prie, madame. Merci beaucoup. Tu peux encore le dire. Mes compliments à ta sœur. Bye. Bye. Tu ne m'as jamais échappé. Et j'espère que tu ne le feras pas maintenant. J'arrive! Léo. En tout cas, merci pour tout. Eh ben, je suis ravie que ça te plaise. Ouais. J'espère que tu t'es bien amusé. Bien sûr que oui. Alors, où est-ce que tu veux que je t'amène? Laisse-moi okay, penser. Ok, c'est bon, le temps que tu continues à deviner, laisse-moi tu continues à penser. Anne! J'arrive! Doucement, doucement. D'accord, doucement. Ok. Tu sais quoi? J'aimerais te garder ici pour les week-ends. Waouh! Ça sera donc merveilleux. Tu sais, le problème est que... 5 millions de Neira. 5 millions? Oui, je te donnerai 7. 7? Conclu. Viens par ici. Doucement. Je veux d'abord le recevoir. Pardonne mes manières. Oui. Laisse-moi le faire immédiatement. Le même compte, n'est-ce pas? Bien sûr. Oh, tu veux dire que j'avais gardé mon compte chez ton abonné? Oh, Annabelle, tu mérites vraiment ça. Oh mon Dieu, tu es très beau, bébé. Ok, c'est fait. Je viens de le confirmer. C'est fait? Oh, d'accord.
mon Dieu, tu es très bon. Oh. Tu sais quoi? Laisse-moi m'occuper de toi. Wow. Non, t'inquiète, tu es un grand garçon, laisse-moi m'occuper de toi. T'inquiète, t'inquiète, je ne vais pas perdre l'état. Ah oui. Ouais. Je suis là pour toi. Je ferai tout pour te satisfaire. Oh. 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 Tu le fais bien. Fais-moi rêver, mon bébé. Tu es le meilleur. Oga, laisse-moi aller, N'ose pas aller là-bas. Laisse-le se battre jusqu'à ce qu'ils vont se fatiguer. Je leur ai interdit d'arrêter de se battre dans mon champ, mais ils ne veulent pas. Ne les touche pas. Oga, ils se sont battus pendant très longtemps. Je vais te gifler. Ne va pas là-bas. Laisse-les. Oga, on est fatigué. Oui, oh. Vous ne voyez pas qu'on se fait des câlins? Oui, patron. Ce n'est plus un combat, oh. Oga, nous non, non, battez-vous. Vous devez vous battre bien. Non, oh. C'est un câlin de mécanicien. Oui, oh. Je vous ai interdit à maintes reprises. Je ne veux pas que vous vous battiez ici. Et c'est chaque jour que je vous l'ai dit. Et toi, je t'avais donné l'autre fois un ordre. Tu les laisses se battre chaque jour. Tu quittes les shops et tu les laisses se battre. J'étais en train de bosser, patron. Demandez-leur. Je ne savais même pas quand ils ont commencé. Et vous là, écoutez, laissez-moi vous dire. Arrêtez. Oga, désolé. C'était la fatigue. C'est exact. Oga, désolé. Oga, vous avez du lait de meilleure qualité. J'ai mes yeux qui tournent là. Oga. Merci, monsieur. Oga, vous avez du lait. Du pur lait. Du lait. Non. Profite de cette langue. Continuez de vous battre, non? Profite-en très bien. Parce que très bientôt, là, je vais te la couper. Oga. Idiot que tu es. D'accord, c'est d'accord. Va-t'en de là. Espèce d'idiot. Allez, levez-vous. Allez, travaille. Toi, prends ça. Prends ça. Allez, travaille. Oga. Oga. Très bien. Oga, ils ne veulent pas travailler. Oh. Bébé. Oh. Oh, t'es tellement sucré. Oh, je te remercie beaucoup. Oh, bébé. Ne me dis pas que tu pars. Bien sûr que je pars, je n'habite pas ici. Je pars d'abord me rafraîchir. Chérie, pourquoi ne pas passer une nuit ensemble ici, juste toi et moi? D'accord, j'ai encore envie de toi. Tiens donc. Cela se fera sûrement si tu me payes de l'argent. Et ça me coûtera quoi? 2 millions de naira. Quoi? D'accord, alors il serait mieux que j'aille à la douche. Ok, c'est bon. Je suis d'accord avec ça. Ouais, je suis d'accord. Alors, il serait mieux que tu fasses les virements tout de suite. Donne-moi tes coordonnées. D'accord. 03. Un instant, s'il te plaît. Ok. 03. Mm-hmm. 810. Ouais. 64. 919. EcoBank. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Pourquoi elle ne prend pas mes appels?
Elle ne décroche pas. Padra. Décroche. Pourquoi tu ne réponds pas, Padra? Tu dois répondre. Pourquoi aujourd'hui? Hein? Pourquoi seulement aujourd'hui? Aujourd'hui, aujourd'hui où tout doit se passer. Pourquoi elle veut gâcher mon jour? Non, pourquoi? Pourquoi tout ceci m'arrive? Pourquoi seulement à moi? Toutes mes amies du village ont des motos. Elles ont des motos. Pourquoi seulement aujourd'hui, le jour où je devais être initiée, Patron ne prend pas l'appel? Pourquoi elle peut être seulement empêchée à mon tour? J'aurais souhaité connaître la maison de Madame Lachine. Sinon, je m'y rendrai moi-même. Elles sont occupées, moi je somme. J'ai tout mon temps, je vais briller. Mon Dieu, la pauvreté, je vais te conquérir. La pauvreté, je dois te conquérir. Peu importe, tu te vaincrai. Mon Luchi, je te vaincrai. Padra, si tu as la présence d'esprit, envoie même l'adresse. Je vais y aller toute seule. Padra, coûte ce que coûte, tu vas prendre mon appel et je serai initiée aujourd'hui. Aujourd'hui même. Qu'est-ce que je vais faire? Alors que cette fille ne prend pas mon appel. Mon Dieu. Allô? Je ne sais pas toujours le joindre. Pourquoi seulement aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, mon Dieu, le jour où je dois être initiée? Oluchi, s'il te plaît, s'il te plaît. Peux-tu arrêter d'être dramatique? Oluchi, je crois t'avoir dit que j'avais causé avec Madame China au téléphone. Et elle m'avait dit qu'elle était allée au village faire l'évaluation de son projet. Juste calme-toi le temps qu'elle revienne, ça va aller. S'il te plaît. Ah. C'était qui? Une de mes amies. Est-ce qu'elle va bien? Elle ira bien. C'est bon. Ça va toi? Ça va. T'es certaine? Oh. Oh, je vais bien. Je vais très bien. Je le savais. Je l'ai même pressenti. Je savais que ça finirait ainsi. Mes amis du village gèrent leurs propres affaires. Elles ont leurs propres affaires. Mais pourquoi seulement moi? Pourquoi mon cas doit être différent? Pourquoi? Ma mère ne veut pas de mon bonheur. Je crois que c'est elle-même qui est en train de me bloquer. C'est quoi cette histoire avec moi? Pourquoi seulement aujourd'hui, Madame Lachine doit aller inspecter ses affaires au village? Pourquoi? Les gens maléfiques sont derrière ma destinée. Oh Dieu, aide-moi, aide-moi. Maman Ken, tes sorcières, sache que ma sorcellerie est plus puissante que la tienne. Padra, je commence à me dire, Padra, je crois que tu n'es pas en train de me mentir. Pendant, je crois que ce ne sont pas de mensonges. Oh, pourquoi seulement mon jour? Pourquoi à mon tour? Pourquoi aujourd'hui? Je ne sais même plus quoi faire. Oh, madame. Comment vas-tu? Vous partez déjà? Je voulais venir cuisiner pour toi aujourd'hui. C'est gentil de ta part. Ah, merci beaucoup. Merci, je vous en prie. J'étais venue voir mon chantier et payer mes travailleurs. Ok. Et aussi pour leur donner l'argent pour acheter quelques matériels. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Marie? Oui? Sois une bonne fille. Oui, madame, je le serai. C'est une bonne chose, c'est bien de l'entendre. Attends, je vais te donner quelque chose. Oh. Madame China. Prends ça, c'est pour toi. Tout ça pour moi? Oui. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Ça me va droit au cœur. Reste une bonne fille que tu es. Oui, madame. Dès que mon fils va retourner, je ferai tout pour que tu les rencontres. Et tout ira bien. Ok? D'accord, madame. Ne me déçois pas. Je ne le ferai pas, madame. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, madame. Que te bénisse. Merci, madame. C'est gentil de votre part. Lorsque je reviendrai, je t'emmènerai aussi quelque chose. Ah, merci. J'ai beaucoup dépensé pour le chantier. D'accord? Merci. Merci beaucoup, madame China. Merci beaucoup. Merci. Bon voyage. Merci beaucoup. Bonne route. Tout ça, c'est pour toi.
Ça, c'est mon domicile. C'est ici où je cache ma tête. Pas mal. C'est un peu grand. Donc, tu veux dire que tu vis ici seul? Plus maintenant. Je suis là avec toi et dorénavant, tu vas commencer à habiter ici avec moi. Oga, bienvenue. Bienvenue, madame. Alex, comment ça va? Je vais bien, monsieur. Je te présente Alex. C'est elle qui garde ma maison. Alès, Annabelle, ma petite amie. Bienvenue, madame. Merci. Allons-y. Merci. Mary. Uh-huh. Mary, j'ai entendu la conversation que tu as eue avec ta tantine. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et son fils? Elle a dit qu'elle m'apprécie beaucoup. Mm-hmm. Elle me trouve humble et aussi très polie. Et si jamais son fils Harry se revenait, elle aimerait que nous puissions nous rencontrer. Vous allez vous rencontrer? Vous rencontrez pourquoi? Uh-huh. Mais si les choses se passent bien entre nous, j'espère qu'on pourra peut-être se marier. D'ailleurs, elle m'avait rassuré que son fils allait m'aimer. Mary. Mary. Et qu'en est-il de Ebuka? Ebuka est là. Écoute, laisse-moi te dire. La personne qui arrivera en premier, et surtout si seulement il est sérieux, je marierai avec lui. Mary. Mary. Je suis ta grande sœur. Hein? Je ne me lasserai pas de te conseiller encore et encore. Tous ces maris des Oibo, ils sont deux fois bizarres. Tu sais ce qui m'était arrivé, non? As-tu déjà oublié? Hein? Le temps que j'ai eu à attendre Ejike pendant 12 ans, 12 bonnes années d'attente, il a fini par rentrer dans ce village avec une femme Oibo. Je ne veux pas que tu prennes une décision que tu vas regretter plus tard. Tu es mon unique sœur et je veux que tu sois sage. Hein? Sois sage, sois réfléchi. Ne te presse pas à te jeter à lui juste parce qu'il est, soi-disant, l'étranger, Mary. T'inquiète pas, ma sœur. Tes conseils, j'en tiendrai compte, ma sœur adorée. Merci. Oh, apprête-moi un truc à manger. Les riz et les haricots. Oh, pas de problème. Puisque tu as l'argent, tu peux rajouter les poulets et les jus. Non, non. Oui. J'ai pas envie de dépenser mon argent. Hey! Tu ne veux pas dépenser ton argent. Tu as l'argent, alors rajoute les poulets et les jus. Dépense cet argent sur moi. Je ne vais pas utiliser cet argent. Je vais garder cet argent. Je ne vais pas le dépenser. Tu ne veux pas dépenser ton argent. Comment je t'achète le truc? Est-ce que tu me le demandes? Essaie de ne pas amener les jus, on verra. Chérie. Oh, tu es réveillée? Ouais. Comment tu vas? J'ai tout fini. Maintenant, je peux m'en aller. Chérie? Oui? Sais-tu que c'est dur pour moi de te laisser partir? Eh ben, si tu veux me voir, tu n'as qu'à me passer un coup de fil. Je ne veux pas tellement que tu partes maintenant. Je veux que tu restes encore un peu avec moi. Je dois partir, ok? Bébé, j'ai encore envie je de dois toi. Partir. Juste appelle-moi si tu as besoin de me voir. Passe chérie, une belle journée. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Chérie. Je t'ai dit, passe-moi un coup de fil. Bye. Bébé, tiens donc. J'ai encore envie de toi.
Hey, laisse-moi encore réfléchir un peu, ok? Le fils, le fils, ce gars est riche. Quand je parle des richesses, le fils, c'est pas du n'importe quoi. Ce garçon est extrêmement riche. En effet, tout en lui et partout, il s'est baladé. Sa santé, du bleu, de l'argent. Vous savez, le fils, quand on dit qu'une personne dégage le parfum de la boîte, ces garçons sentaient les bleus comme pas possible. Hey, Oma, ces garçons a beaucoup d'argent et la cerise sur les gâteaux, il ne voulait même pas que je parte. Alors pour quitter cette chambre, j'ai dû vraiment faire violence. Le fils, je ne voulais pas être une poids. Je ne voulais pas me faire passer pour une preuve de la faim. Richa, baby. Merci beaucoup, chérie. Bien, vous voyez ces poissons que j'ai pêchés? Je vais les garder. Je ne vais pas tuer cet homme. Non, il va rester dans mon aquarium. Il doit grandir. Il doit atteindre la maturité. Il doit grandir et dépasser ses niveaux. Mon fesse fille. Ces garçons, je ne lâcherai pour rien dans mon monde. Oh, Seigneur. Mon Dieu. Ma belle. La plus dangereuse. Je suis mauvaise. Je suis mauvaise. De le ventre de ma mère, j'ai été mauvaise. Oh Seigneur, je suis au top. Qu'est-ce que je vois là? Salut. Comment tu vas? Oui. Vas-y, raconte. Dis-les-nous, juste dis-les. Bien sûr que oui. Tu peux toujours raconter quelque part. Dis-nous, c'était comment? Ah, moi aussi je vais écouter, non? Je suis intéressée à ce qu'elle veut dire. Ouvrez-moi celle-là. Elle adore les histoires. Tu es très curieuse. C'est terrible. Ok, c'est bon. Je vais prendre le jus. C'est bon. Tu peux déjà commencer. Je vais écouter, même de loin. Allez, vas-y, raconte. Tu la connais. C'est comme ça qu'elle est. Vas-y, raconte l'histoire. Allez, lâche-nous le morceau. J'étais très contente. Les filles, c'était un week-end spécial. Vas-y dans les détails. Ma chère. On a gravi. On a gravi les échelons. Ma belle. Très haut alors. Avant que tu le finisses cette histoire, tu as nous devons célébrer. Tu as tapé. Oui. Oui. Ma belle. C'est pour le meilleur. Oui. Mais le fils, concernant le poisson que j'ai pêché aujourd'hui, quand j'étais avec lui, j'avais changé de niveau. Même les démarches avaient changé. Observez. Vas-y, montre-nous. Patra. Vas-y. Regardez. Marche. Ma chérie, tu sais quoi? Ouvre le jeu. Bien sûr que oui. Vous êtes toutes les bienvenues dans cette réunion. C'est un privilège pour vous toutes de venir participer. Bienvenue. Commençons les rituels. J'espère que vous étiez toutes informées de ce que vous devez savoir pour ce groupe. Oui, Madame Lachine. Avez-vous d'autres questions à poser? Non, Madame Lachine. Parce que personne n'entre dans ces groupes et veut sortir indemne. Parce que si vous le faites, vous serez en danger. Vous avez beaucoup de choses à respecter. Suis-je claire? Oui, Madame China. Que les concernés me suivent.
Hein? Mon Dieu! L'argent! Ah, ah, ah! Hey! Hein? Merci de m'arroser. Padra. Hey. Hey. L'argent. Oh, hey. 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 Merci également. Tout c'est bien de vous. Hey. Tout ça. Hey. Aujourd'hui. Tout ça pour toi. Tout ça pour toi. Oh. La pluie des nerfs, ça c'est la bonne pour toi. Lève-toi, danse. Hey, aujourd'hui, tu vas te laver dans l'argent même. Aïe. Ma chérie. Les frics. Attention, toi aussi, lève-toi. Ah, doucement. Lève-toi, danse. Toi aussi. Danse. Vas-y, Comme ça. Danse, 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 danse,
Désolée, je vais un peu parler avec toi. Assieds-toi. Vas-y, parle, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de racer à propos de cette sortie que Madame China avait dit. Je n'ai pas d'argent pour ça maintenant. C'est bon. Je te donnerai de l'argent. C'est pour ça que tu fais cette dette? Padra, merci beaucoup. Merci. Oluchi, ça va? Allez. Attends un instant. Tu crois que j'ai oublié tout ce que tu avais fait pour moi quand on était à l'école? Comment tu partageais toujours ton petit déj avec moi? Tes cahiers et voire même tes uniformes. Allez, ma chérie. Je ne pourrais pas l'oublier. Tu étais très gentille avec moi. Mais l'argent que je te donne maintenant, c'est pas gratuit. C'est un prêt. Quand les choses iront mieux pour toi, tu me rembourseras mon argent. Capiche? Pas de problème. Parfait. Je te transfère de l'argent. Va faire le shopping et laisse-moi me reposer. Ça me va. Je souhaite que tu viennes avec moi. Non. Pars. C'est mon moment de sieste. Laisse-moi me reposer. Va-t'en. Ok, il n'y a pas de problème. C'est bon, vas-y. C'est quoi ton problème? Oh mon Dieu. Pourquoi tu ne m'avais pas signalé? J'allais venir te chercher à l'aéroport. Oh, t'en fais pas. Je ne voulais pas te déranger. Ok? Et à part ça, je suis rentré il y a déjà 3 jours. 3 quoi? 3 jours. 3 jours? Ouais. Alors, où étais-tu pendant ces jours? À l'hôtel, bien sûr. À l'hôtel? Ouais. Tu reviens du voyage et tu restes à l'hôtel. Honnêtement, je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu auras à l'hôtel que tu ne peux pas avoir chez toi à la maison? Regarde notre maison. Ce n'est pas confortable. D'accord, j'ai compris. Maintenant que tu es retourné, fais attention avec toutes ces filles que tu vois. Surtout celles de la ville. Elles ont un comportement différent. Elles sont prêtes à tout dans ces mondes. Maman, pourrions-nous parler de ça à mon retour? Ok, il faut que je parte maintenant. Mais qu'est-ce qu'il y a avec toi? On reste à la maman, maison. Maman, je viendrai te voir. Ah! Je passerai te voir. Qu'est-ce qui se passe? Harry? Harry?
Alors, nous avons fini, car nous sommes arrivés au dernier stage de notre rituel. Merci Madame China. Ce sont vos cartons cachés. Vous pouvez les prendre. Écoutez-moi. Les cartons que vous voyez contiennent des éléments de votre succès. Il y a tout ce dont vous avez besoin pour votre succès. Et vos noms sont mentionnés dedans. Merci Madame China. China. Notre grande déesse offre beaucoup, mais elle est très jalouse. Vous devez toutes faire un effort à ne pas oublier nos différentes incantations. Oui. Deuxièmement, on ne peut pas du tout avoir des divergences entre nous. Parce que nous sommes toutes des sœurs, les filles de notre maman, notre plus grande déesse. Suis-je claire? Oui, Madame China. China. Ce qui veut dire, vous ne pouvez pas vous battre entre sœurs. Tout celui qui sera contre l'une de vous, vous devez toutes vous battre contre lui. Vous vous surveillez derrière et pour tous les mouvements, ok? Oui Madame China. China. Suis-je claire? Oui Madame China. China. Félicitations. Merci Madame China. China. Salut. Hé, comment? Tu es où comme ça? Ouais, je suis déjà dans la chambre d'hôtel. En train de t'attendre. T'inquiète pas. Juste calme-toi. Bébé, tu mets assez de temps. Je t'en prie, arrête tout ce que tu es en train de faire, ok? Et emmène-moi ton corps ici. Ça va? Je viens de te dire que je serai avec toi bientôt. Ok. Je t'attends. D'accord. J'amène alors mon corps dans ce cas. D'accord. Bye. Très bien. Dans le carton que vous avez, il y a les clés, le pouvoir et le chocolat. Et dans peu de temps, vous aurez des hommes que vous allez garder en permanence dans vos pièges. Prenez un papier, écrivez le nom de l'homme sur ça. Posez la clé dessus, encerclez-le, faites-le très bien. Avec un stylo rouge. Et vous allez chercher une rivière et jeter ce papier dedans. À noter, il doit être riche. Cet homme doit vraiment être riche. Il doit être une personne que tu mérites avoir. Parce qu'une fois fait, tu ne peux plus reculer. Suis-je claire? Oui, Madame China. Encore une chose. À chaque fois que vous voudriez être avec un homme, prenez un petit morceau du chocolat et restez avec cet homme. Tu seras très très bonne et il ne te laissera jamais. Ok, Madame China. Allez vous amuser et mangez votre argent. Merci Madame China. Merci beaucoup. Je suis désolée, ok? C'est bon, chérie, ça va. Je ne sais pas ce que tu m'as fait. Tu m'as rendu fou. Le fait juste de penser à toi ne fait que tourner dans ma tête à tout moment. J'aimerais vraiment t'avoir encore. Bon, je suis là maintenant. Très bien, alors. Oh. Allô? S'il te plaît, je vais te rappeler plus tard, ok? Je dis que je vais te rappeler. Oh. Qui c'était?
ma mère. Ta mère? Ouais. J'espère qu'elle ne s'attend pas que tu puisses rentrer à la maison aujourd'hui ou demain parce que tu n'iras nulle part. Mm-hmm. Madame, tes souhaits sont mes ordres. Exactement. Ok, tu sais ce que tu dois faire? Quoi? Prends ton téléphone, éteins-le. Ok. Et viens vers moi. Waouh. C'est éteint. Oh, bien. Ah, calme-toi. Descends en bas. En bas? Oh, vas-y. Tu es sûr de ça? Descends. Oh. Hum. Mmh. Harry m'a raccroché au nez, moi, sa mère. Hey, comment a-t-il pu? Après avoir souffert? Après avoir payé pour lui le frais? Attends un peu. N'est-il pas tombé dans la piège de l'une de ses filles? Attends. Le téléphone est éteint. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Attends un peu. Non! Je dois vraiment le vérifier. C'est déjà le matin? Ouais. Tu es rentré hier la nuit. Tu étais ivre et fatigué. Je t'ai même changé les vêtements. Merci. Je suis désolée. Non. Tu n'as pas à dire ça. Si je ne le fais pas pour toi, pour qui d'autre le ferais-je? Je t'ai apporté le petit déjeuner. Mmh. Oh, Nio. Mon bébé. Tu es très romantique. Merci. Ok. Laisse-moi aller faire une ou deux choses là-bas dehors, ok? Ok, je bouge. Je reviens. Nio, n'as-tu pas les œufs? Oh, t'as besoin d'œufs? Oui. Ok. Fais-moi l'omelette. Ok, tout de suite. Et, s'il te plaît, et la sardine. Ok, je le ferai. Oui. Oui, ça marche. Ça marche. Ça marche juste comme je voulais. Oui. Très bien. C'est très bien. Ah, mon premier jour aujourd'hui, ça doit marcher. Oh. Ça doit marcher. Où est mon chocolat?
Mon chocolat. Ouais, j'en ai 7. 7 juste pour un gars. Ça marchera très bien. Olotu, aujourd'hui est fait pour toi. Tu dois attraper un gros poisson. Je dois encaisser aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui est à moi. Dieu, s'il te plaît, aveugle pour moi tous les gens de mon village. Ne le permets pas de me voir. Oyun. Heureusement que tu es venue. Est-ce que tu as des nouvelles de Nelson? Oui, maman. D'ailleurs, je causais avec lui cela quelques minutes. Mais il m'a dit qu'il n'arrivait pas à vous joindre. Voilà pourquoi je suis là. Oui, c'est vrai. Le téléphone d'Ifoma a été endommagé. Oh. C'était tombé dans le feu quand elle préparait. Ça ne fonctionne plus. Et depuis, elle ne l'a pas encore fait arranger. Marie. Ifoma. Tu es là? Comment tu vas? Oui, ça va bien. Oh, c'est bien que tu sois là. J'étais juste en train de dire à Mary que ton téléphone est abîmé. C'était tombé sur le bois de chauffage quand tu préparais la garée. Depuis, elle ne sait pas comment le faire arranger. Heureusement que tu es là. Tu peux aider pour qu'elle appelle son frère. Pour ça? Maman a raison. Essaie un peu d'appeler Ebuka. Appelle-le un peu, comme ça je pourrai avoir l'argent pour acheter mes accessoires. J'en ai besoin. T'en fais pas, je vais te rappeler. Je suis très très occupé maintenant. Je suis au volant. Ok. Salut! Salut! Belle jeune femme, comment vas-tu? Oh, ça va, je vais bien. Heureux dimanche. Merci, pareillement. Hey! Puis-je être ton chauffeur aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui? Je ne sais pas trop, je vais juste là, au supermarché. Dans ce cas, monte, je vais aller déposer là-bas. Donc, je monte à bord? Bien sûr! Écoute, tu es trop belle pour te promener sous le soleil comme ça, alors arrête de te tuer. Entre dans la Benz, hein? Allez, viens là. C'est une Benz. Ok. Viens là, entre, viens voir papa. Allez, monte. Voilà qui est mieux. Oh, tu es la bienvenue. Merci. Tu es la bienvenue. Oh, ça c'est parfait. Non, tu es Merci. Trop belle. Je ne puis juste passer et te laisser marcher comme ça sans que je ne te prenne avec moi. Ok. Non, impossible. Allons-y. Est-ce qu'on peut aller quelque part s'asseoir pour mieux se connaître tous les deux? Bien sûr que oui, pourquoi pas. On bouge. D'accord. Tu sors? Oui, bébé, je sors. J'ai une réunion. Tu veux dire que tu veux me laisser toute seule ici dans cette maison? Qui va me donner compagnie? Alex est là. Alex? Ta bonne? Que veux-tu que je discute avec elle? S'il te plaît, rentre à la maison. Ok, si tu l'as dit, qui suis-je? J'annule le rendez-vous. Ça marche. Ah oui.
J'ai passé de bons moments. Moi de même, c'est vrai. C'est vrai? Oui. c'est là où tu habites? Oui, pour l'instant. J'espère juste qu'on le fera plus souvent. Bien sûr que oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. D'accord, quand tu veux et où tu veux, laisse-moi... Permets-moi de te gâter. D'accord. Laisse-moi te gâter, oh. Combien soin de toi? Bye. Oh, bébé. Oui. Tu sais que je suis follement amoureux de toi. Hein? Je ne sais pas du tout ce que tu m'as fait. Je ne peux pas me passer de toi, en tout cas. Je pense à toi à tout moment. Alors, j'aimerais qu'on aille voir ma mère et pour enfin officialiser notre relation amoureuse. Attends une minute. Si je te comprends bien, essaies-tu de me demander le temps? Je veux dire, quand est-ce que nous irons la voir? Oui, quand allons-nous? En fait, quand est-ce que tu seras libre pour qu'on aille voir ma mère? Voilà. Oui, je crois que... La semaine prochaine, ça va aller. Semaine prochaine? Uh-huh. Très bien. C'est d'accord. Okay. C'est bon, alors. Je dois aller utiliser les toilettes. Oh, ok, vas-y, vas-y. Dans quelques minutes, vas-y. Je serai là. Hey! Tu me rends fou! Je t'attends, hein? Je suis tellement dingue! Je suis tellement dingue! Ne m'appelle pas maman. Je veux que tu retournes à la maison maintenant. Je n'ai pas dit demain, j'ai dit aujourd'hui. Rentre ici maintenant. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Reviens ici, reviens à la maison. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Qu'est-ce qui est entré dans ta tête? Où je veux que tu rentres. Rentre à la maison. Retourne ici à la maison. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est? Bébé, j'aimerais que tu m'aides à finir ça. Alors, où est-ce que je peux couper? Aga, laissez-moi vous aider avec ça. Non, t'inquiète. Elle veut que je le fasse moi-même, ok? Ce n'est pas un problème, je vais le gérer, ok? C'est parfait, il n'y a pas de problème. monsieur, vous êtes supposé être au bureau puisque vous aviez une réunion très importante. Avez-vous oublié? Ne t'inquiète pas, je l'ai annulée. Mais monsieur, ces réunions sont très cruciales. Hé, attends. Qui es-tu pour lui? Hein? Qui es-tu pour lui? Secrétaire ou bonne? Qui es-tu? Tu l'as entendu? Hein? Il a dit qu'il a annulé cette réunion. Désolée, madame. C'est juste qu'à part le ménage, je gère aussi son agenda. Particulièrement pour ces rendez-vous importants. Et c'est pour... La ferme! La ferme! Va faire ton travail. Mais, bébé, pourquoi es-tu si dur envers cette fille? Elle ne fait que son travail. Toi aussi, va à la cuisine. Va continuer ton travail. Ok. Hein? Reviens. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça signifie quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? J'allais à la cuisine et tu m'as rappelé. Qu'est-ce qu'il y a encore signifie quoi, dis-moi?
que je te dérange, c'est ça? Ok, je suis désolé. Tu dois voir le sourire. Tu me demandes s'il y a quoi encore? Je souris déjà. Puis-je partir? Donne-moi l'argent. Oh, ça? Ne t'inquiète pas. Je te fais un transfert aussitôt fini avec ça, ok? Ok, le fils, je sais que ça peut vous paraître très soudain, mais j'aimerais que vous puissiez comprendre. Vous savez toutes que j'ai un petit ami. Oui. Et on ne peut pas continuer à vivre dans un hôtel et payer des prix exorbitants pendant que j'ai une maison. Écoutez, les filles, je veux que vous puissiez comprendre. Vous ne pouvez pas continuer à vivre avec nous, vous savez comment ça se passe. Ce que je veux que vous puissiez faire, c'est de trouver un endroit où vous pouvez habiter. Vous savez, Annabelle est déjà partie, d'où il ne reste que vous deux. Bien, je te comprends. Merci. Je te demande juste un peu de patience. Mon commissionnaire est déjà en train de me chercher un appart. C'est bien. Merci, chérie. Je crois que c'est aussi ce que je me disais. La semaine prochaine, on va faire des rénovations. Et il serait mieux que vous partiez avant la rénovation. Parce que dès que la rénovation sera finie, mon petit ami va aménager. C'est comme je le disais, je ne veux pas que vous puissiez mal le prendre. C'est juste une décision que je prise. Pas de droit. Ah ah. Oh, je suis vraiment désolée du mal que ça va vous causer. Ok, c'est bon. Je vais un peu me reposer. Padra. Pourquoi m'appelles-tu Patra? Je ne comprends pas. Que veux-tu que je fasse? Tu veux rester avec mon petit ami et moi? Quel genre de boulot feras-tu? C'est pour ça que tu dois mettre tes amis dehors. Non! Va t'installer alors dans ma chambre. Parce que toi et moi, on est venus au monde ensemble dans le même placenta. T'inquiète, c'est compris. C'est grâce, arrête-moi ces bêtises. Mais voyez-moi ces filles. C'est moi votre maman. Ha! Nawao. Nous voici. Oh, non, 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 non. Attends, attends. Okay, arrête. Très bien. Qu'est-ce que nous faisons là? Ça, c'est la maison de ma mère. Elle habite ici. La maison de ta mère? Bien sûr, tu la connais. Non, non, c'est juste que je suis un peu nerveuse. Okay. Peut-être qu'elle ne va pas m'apprécier. Non. Tu sais quoi? Quoi? Je t'en prie, ramène-moi à la maison. Et non, je ne suis pas sûre d'être prête pour ça. Oh chérie, voyons, nous y sommes déjà. Ok? Écoute, écoute, je te promets, ma mère va t'apprécier. D'accord? Dès la première vue, pas, elle va t'apprécier. Tu sais que tu es aimable, ça va? Ma mère est une bonne personne. C'est vraiment quelqu'un de très bien, ok? Alors juste... Attends, attends! S'il te plaît, ramène-moi à la maison. Je ne me sens pas à l'aise. Oh, chérie, mais... Oh, mais chérie, nous y sommes déjà, non? Hein? Ça ira, je parlerai à ma mère, ok? Calme-toi. Tu vas apprécier ma mère, c'est quelqu'un de bien. Tu verras ce que je te dis, alors calme-toi, tu verras. Et voilà, nous y sommes. Boum! Ok, allons-y. Très bien, allons-y. La maison est belle, n'est-ce pas? Tu aimes la maison? Très bien, oui. Très bien, allons-y alors. Oh, désolé. Oh, calme-toi, oui. Relax, relax, chérie.
tu vas vraiment apprécier cet endroit. Es-tu sûr que ta mère est à la maison? Ouais, elle y est. Mais on peut partir et revenir la semaine prochaine. Ça va, viens, allons-y.